Good morgen, allez, Iden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amram, Yona Ben Chana Pegi Bat Esther, Zara Bat Mazal Tov, Shishportish, Simon Bat Leoni, Mechel Novikov. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la côte, Perek Gimel, Mishnah Yud Gimel. Yada Tefach, Verochba Tefach, Verosha Magat Alpi Kreso. O Makeroto, Shlish Melefanav, Ushte Yadot Mille Acharav. ולא מכה אותו לא עומד ולא יושב אלא מוטה שנאמר והפילו השופט והמכה מכה בידו אחת בכל כוחו. Une Mishnah barbare où on va voir comment concrètement il fallait frapper, comment on mettait le coup. C'est-à-dire la Mishnah précédente, on avait déjà enseigné qu'il fallait lui attacher les mains et on avait expliqué, c'est important, je le rappelle, ça va nous servir ensuite, on avait expliqué qu'il y avait une sorte de rocher qui se tenait devant, c'est-à-dire on mettait le condamné à la flagellation, on l'attachait à un poteau bas, comme on va voir dans notre Mishnah, bon, qui va être en réalité, il va être couché en biais. Ouais. Et il y avait le Chazan Akneset, le délégué du Bet Din, le nommé, le responsable du Bet Din, à frapper, le bourreau, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est pas. Et, bon, il avait une sorte de petite estrade, de pierre, sur laquelle il se tenait debout, et alors, là, et on avait aussi appris la matière qui composait le martinet, le fouet du Bet Din, qui était à la fois du cuir de veau, avec des sangles de veau qui étaient elles-mêmes tissées entre elles avec des sangles d'âne, il y avait un remède dans ça. Et notre Mishnah continue, c'est la suite logique, en fait, je ne sais pas pourquoi c'était coupé en deux Mishnayot, mais bon, c'est fréquent qu'on remarque dans le Mishnayot. Des fois, on a des Mishnayot qu'on aurait pu découper en 10. Des fois, on a deux, une même Mishnah qu'on a coupée en deux Mishnah. Je ne sais pas qui a décidé que c'était comme ça, mais en tout cas, voilà. Yada tefach verochba tefach. Yada, c'est le manche. Le manche devait avoir une largeur de 1 tefach. Le manche du martinet, du fouet. Verochba tefach. Et aussi la largeur du fouet, de la partie qui frappe. Alors faisait elle aussi un tefach. Verosha magaat al pikreso. Là on s'intéresse à la longueur du fouet. Il fallait que le bout puisse arriver jusqu'au pikreso, littéralement l'ouverture de son ventre, c'est-à-dire le nombril. D'accord ? Il fallait que ça atteigne le pia tibour. Le tibour en hébreu ça se dit aussi en Shana Kodesh. Et donc, il fallait que la tête, le bout de la sangle, puisse arriver jusqu'au tibour. Soit, si je lui mets un coup sur l'épaule, c'est-à-dire, moi je suis le bourreau, je suis debout sur ma petite pierre, et la personne devant moi a frappé, il est couché devant moi, je vais le frapper avec la sangle sur l'épaule, il faut que la sangle, une fois qu'elle va le taper sur l'épaule, que le bout va se retourner et arriver jusqu'à la taille du nombril. Voilà la longueur qu'il fallait. De ce fait, le Barthénora va nous expliquer quelque chose d'important. Il va nous dire, rapporté au nom de la Gemara en fait, il va nous dire que il y avait en réalité dans le manche, elle était ajustable la taille, parce que selon la personne, est-ce qu'il est grand ou petit, il faut calculer exactement que selon la petite estrade où le bourreau se trouve, la personne qui est couchée devant lui avec sa taille, que la sangle puisse arriver jusqu'au nombril. Donc il l'ajustait, il y avait là-bas, il pouvait la faire un petit peu plus longue, un petit peu plus courte, et voilà. D'accord. Ensuite, concrètement, comment il fallait le frapper? Au makoto shlish melefanav ushte yadot mile acharav. Il fallait, comme on avait appris dans la Mishnah Yud, chaque coup marche en fait en triplé. Lui mettre un devant lui, on va voir comment c'était devant lui, on va expliquer ensuite. Un coup devant sur le torse et ushte yadot mile acharav et deux coups de derrière lui. D'accord, on apprendra ça dans le Barthénora, il en rapportera, on déduit ça de Pasouk, mais Kaoulefanav, Irmukederich Ato. On apprendra, il y aura un remèze dans le Pasouk pour nous le déduire, d'accord. Donc en fait, chaque coup, il fallait lui mettre un carré, un qu'on lui met sur le torse et deux sur les épaules. Alors le Tifa Israël, c'est le seul que j'ai vu qui s'occupe de nous expliquer, c'est un problème technique. S'il est couché devant nous avec les mains attaché, comment on le frappe devant, j'ai du mal à comprendre quoi, on parle de fouet par en dessous, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Le seul qui s'est attaché, qui s'est intéressé à la question et qui nous l'a expliqué, c'est le Tiferet Israël qui dit venir à l'idir sheikaou alechazé ayakofef komato ksat lachorav. Quand il fallait frapper sur le torse,
Et ben il devait comme ça se retourner. On lui disait vas-y retourne-toi. Donc il se tenait comme ça. Et tac, le fouet il lui arrive sur le torse. D'accord ? Ensuite. Veno makeoto lo omed velo yoshev et la mouté. Il le frappe ni lorsqu'il se tient debout, ni lorsqu'il est assis, mais qu'il doit être mouté. La chaîne est à tot, penché, en haut à l'oblique. D'accord ? Shayan il ke kafouf à la amoud. Il était couché, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait on avait appris qu'il fallait un poteau qui faisait deux amotes, c'était précisé comme ça, qui faisait deux amotes, l'équivalent de 1 mètre, comme ça on l'attache avec, il est debout, il a les mains attachées, donc il est forcément penché, et on est en bonne position pour lui mettre son coup sur l'épaule droite, épaule gauche, et on tombe doigt et on lui met devant sur le torse, et comme ça on lui fait un premier triplé, et comme ça il devait s'en manger 13. On apprendra dans la prochaine Mishnah qu'il fallait dire des psukim au moment où on le frappe. D'où j'apprends qu'il faut le frapper quand il est mouté, quand il est penché. Chez Nehemar, veille pilo à chauffette. Comme le pasouk nous dit, et le juge le fera tomber. Il le met la chante nafal. Selon les règles de grammaire, on fait tomber le noun parce qu'on le transforme en dagesh. Avec zerat penoun pour ceux qui aiment bien le dikdouk. C'est un d'accord. Veille pilo, veille aussi auto chez Wipol. Chnofel. Veille pilo à chauffette, et le chauffette, le juge le fera tomber. D'accord, donc en fait il le couchera, il le mettra en oblique sur le poteau. Ve'amake, et lorsqu'il le frappe, celui qui le frappe, make beyado achat bechol kocho, il doit le frapper avec une seule main, non pas avec les deux mains, mais avec une main pour mettre toute sa force à l'intérieur. Lorsqu'il lève la sangle, il la lève avec le fouet, il le lève avec les deux mains, vous imaginez que c'est quand même assez long, et quand il la ramène avec une seule main, et il met son premier coup. Une treha ici, une l'autre de l'autre côté, et hop, en oblique, et on lui met une sur le torse. On a fini la Mishnah. On fait à présent le ventre noir, yada tefar. Le manche devait faire un tefar. Bet yad, le manche. Bet yad, c'est le manche. Sha retsuat lo yaba orko tefar. Dans lequel la retsua, la sangle, est fixée, doit avoir une taille de un tefar. Verochba, et sa largeur, shel retsua shel egel tefar. La sangle de bœuf. Elle doit elle aussi faire un tefar de large. Verosha magaat al pikreso, sa tête, le bout donc, devait arriver jusqu'à pikreso, jusqu'au nombril. Le kaf tsarir shayye, donc le porte-noir nous explique qu'il y a un problème entre les lignes. Il soulève une question que concrètement, selon la taille de la personne, la retsua, la sangle va être soit trop longue, soit trop courte. Réponse, le kaf tsarir shayye bebet yad shel retsua nekev. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait dans le manche qui maintient la sangle un trou. Shachazan amalke yachol arich ul katser aretzua kirtzono, pour que le chazan amalke, le bourreau, puisse la rallonger ou la raccourcir à sa guise. Shen malkin la adam el aretzua shirosha magat al pikreso shehu tiburo, car on ne le frappe qu'avec une sangle qui peut concrètement que sa tête, son bout puisse, ouais, et la béretsoa chez Rocha, que son bout, Magat al Pikreso, peut arriver jusqu'à l'ouverture du Keres, soit chez Outiburo, qui est le nombril. Shlish Milefanav, un tiers devant lui. D'où on apprend ça, ce un tiers et deux tiers. Un tiers sur le torse, deux tiers sur les épaules. Dirtiv, car le pasuk nous dit Veikao Lefanav, Kederish Ato. Il le frappera devant lui, Kederish Ato, pour sa riche A qu'il a fait. Lefanav kederish ato achat, ou l'acharav kedesh taim. Un petit jeu de mots, j'ai pas vraiment perçu le. En tout cas, devant lui pour la riche A, et derrière lui tu le frappes pour deux riches A. D'accord ? J'ai pas tellement compris la profondeur, comment c'est déduit. J'ai pas compris la question tout simplement. Je pense pas que c'est incompréhensible, mais j'ai pas eu le temps d'approfondir la question. Mais lefanav, devant lui, al libo. Quand il se tourne, il se met en biais. Il faut le frapper de manière à ce que ça atteigne le cœur. Mais à Harav, de derrière, Shlish al-Katevzo, Veshlish al-Katevzo. Un tiers sur cette épaule, un tiers sur cette épaule. Make beyado achat, il le frappe avec une seule main. Par contre, Avalkshe Magbiyar, et soi, par contre, quand il lève la sangle, Magbiyar Bishte Yadav, il la lève avec ses deux mains et il le frappe Bechol Kocho. Il doit y mettre toute sa pêche, Dirtiv Makaraba. Comme le pasuk nous dit, un gros coup. D'accord, à chaque fois, il le frappe avec en même temps un beau coup. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, sela.